Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Yep, le petit pote Sabrikou, nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo présentation de deck, les gars. Ça va être noté demandé, donc on va tout de suite aller faire ça. Avant que la vidéo commence, les gars, n'hésite pas à s'abonner et à lâcher son meilleur pouce bleu pour nous soutenir, ça fait plaisir. Et merci à tous ceux qui le feront. Allez, c'est parti. Je vous montre le petit deck. Alors, c'est un petit deck golem. Un golem que je croise souvent à ladder. Enfin, quand je croise du golem, parce que je croise pas souvent du golem, mais quand j'en croise, c'est en général ce deck. Sinon, il y a une version de Cash Goblin et tout. Mais moi je préfère ce deck, il est plus bourrin, il est plus fort. Peut-être pas polyvalent, plus polyvalent, mais il est plus fort en tout cas. Donc voilà, on a la sorcière nuit pour accompagner le golem, on a le prince en DPS. En arrière, on a Dragon Skelet et les basses, le bomber qui traîne dans un golem, la tornade et la foudre bien évidemment. Donc on est tout de suite en super défi, nous sommes à 1-0. On va partir cette première game contre Caligiuge. Allez, c'est parti. Ok, on a Dragon Skelet pour défendre. Ok, dans la surface de Yon, bon, je pense que je vais partir en golem, hein, je vais pas vous mytho. Le golem first play, bon, c'est nos skills, mais je m'en bats les couilles. Allez, c'est parti, golem first play. Ok, mets un colis, très bien. Hop, on met bien la sorcière de Knight ici pour faire un maximum de bats. Hop, ok, une petite princesse. Princesse, c'est relou, c'est très relou. Ah ouais! Ok, donc là on tombe sur du cochon roquette, très bien. On va aller mettre le bomber, on va bien évidemment aller mettre les basses, notamment que la princesse elle meurt. Et là on va bourriner derrière, hein. J'ai pas vu mytho les gars, on va bourriner, on va mettre les dragons squelettes, j'aurais dû mettre mon prince. Mais j'ai peur qu'il ait un gang ou une connerie dans le genre. Du coup j'ai le dragon squelette, c'est très bien aussi un dragon squelette. Voilà, nickel, là les golems qui prennent le temps, et là on va mettre énormément de dommages rien que ce premier push. Il a certains colis mais on va les mettre beaucoup de dégâts. Donc ça c'est cool. Je vois pas qu'on est en super défi et que je suis pas un joueur golem, donc on va voir si on arrive à faire un bon score. Normalement ça devrait aller, mais on sait jamais. Ok, donc là on sait qu'il y a partir cochon, on a la toto de toute façon. Voilà, exactement. On savait. Donc ça c'est le placement les gars pour prendre 0 coup de cochon. Hop. Là on va aller le petit bomber pour éviter de perdre la tour. Comme ça si je peux garder mon tour en vie. Voilà, nickel. Bon là, alors le seul problème c'est, je sais pas s'il va jouer sa princesse ou pas. Est-ce qu'il met sa princesse ou pas? Ça c'est la vraie question. Princesse, ok, alors là il a fait une très bonne Tesla, on va tout de suite aller foutre ça, hop. Et là on va tout de suite aller prendre cette tour. Il ne peut rien faire, hein. Là j'ai ma foudre, j'ai ce qu'il faut pour accompagner le golem en fait. Et là cette tour on va s'en battre les couilles, on va tout de suite partir en golem opposé. Hop, on va juste défendre une sorte, ne pas prendre notre couronne, c'est quand même con. Et en vrai, si on pourrait éviter pas la tour, bah nickel, c'est bien chiant. Et là, on part en golem. Et là, là, je vous dis, les gars, c'est le push de ma fini. Alors, ce qu'on va faire, je pense, c'est on va mettre une première sorcière de nuit pour qu'il utilise sa roquette. Là, il sait pas quand qu'on a un prince. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle qu'il sait pas qu'on a le prince. Voilà, ok. Donc, là, il met sa première roquette, c'est très bien. Moi, ça me va qu'il mette sa roquette. Là, on a les bases pour l'accompagner. On a recyclé la sorcière de nuit. Et là. Là les gars c'est le bourrinage là, le je mets tout au pont et Inch'Allah ça passe comme on dit dans le milieu. Comme disent les bretons les gars, pour ceux qui ont la ref. Hop. Excusez-moi pour le petit bon Discord. Hop. Et voilà, on prend la tour, c'est pas compliqué. On a juste tout bourriné, peut-être le 3 coups. Voilà, le 3 couronnes qui fait plaisir. Hop, ça fait plaisir. Ok. Bon voilà, on a gagné la première game assez facilement. En vrai, je pense que là, j'aurais pu nous gagner si je jouais bien. Bon, après, on n'était pas toujours un joueur de qualité non plus. Hein, on va pas se mytho. On était pas sur un mec à 7K. Donc voilà. Ok, voilà, on a un golem. On attend de voir un petit peu s'il joue pas. Allez, c'est parti. Golem first play. On a la tornade s'il faut. Et puis voilà. Hop. Ok, bon, il met des apices, très bien. J'espère qu'il n'a pas de boule de feu.
La tonne de barre, c'est une boule de feu, sinon... Merde, j'ai raté mon bomber. Ouais, une boule de feu. Alors du coup, j'ai raté mon bomber, normalement, j'ai dû mettre bomber au pont, une puce une tornade, mais là, tant pis, my bad. Tout le monde semble sur le gueule quand même. On va essayer de mettre un maximum de dégâts. Ok, voilà, il y a le roi squelette. Et là... ça, je reconnais, ça, c'est... j'ai plus de tour, en fait, hein. Ouais, c'est bien ce que je pensais, j'ai plus de tour, hein. Ouais, mais ça capa et tout. Voilà, début de game catastrophique, hein, on va pas se mytho. Début de game catastrophique, les bats qui vont faire un gros taf, hein, par contre. On a limité la casse, on a pu prendre 3 coins sur ça. Sauf que je rate mon bomber, hein. Sinon je mettais bomber au pont et ça c'est le taf. Bon, c'est pas très grave, on sait qu'il joue cimetière, on a l'info. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est repartir en golem. Et cette fois, à panis leak. Je pense que ça serait une bonne solution. Ok, on part en sorcière de nuit. On va voir ce qu'il fait, Ok, petite charrette dans le fond du terrain, très bien. Là, je vais attendre un petit peu de voir ce qu'il fait. Je pense que je vais mettre Dragon Squelette là. Je vais mettre le bombeur au pont. Enfin, ça, voilà, il boule de feu, c'est très bien, c'est ce que je voulais. C'était mon but qu'il boule de feu. Et là, on peut tenter... Non. Ouais, non, ça passe pas. Bon, c'est pas grave, tout sur la counter. Donc, je vais juste rush kit parce que là, je sais que je pourrais jamais passer, en fait. Je pourrais pas défendre ni passer, donc on se retrouve pour la prochaine game. Ok, bon, c'est pas grave, on a perdu, on n'est pas tombé sur un joueur de... Bon, on est quand même... Bon, voilà, allez. On était en 2-0, on se tape des profils comme ça, d'accord. Bon, je comprends pourquoi j'ai perdu. Bon, déjà qu'il avait un bon match-up de base, mais en plus, il n'était pas scooter, je pouvais rien faire, donc on a bien fait skip la game. Ok, bon. Là, on a encore une map pour connaître first play, hein. Écoutez, hein, c'est ce qu'on va faire. Hein. Hop. On golem first play, on n'a pas fait golem first play. Golem first play, ouais, c'est quand t'as la flemme de réfléchir, t'es pas un bon joueur golem, tu fais ça, tu montes à 7-4-3 avec. Et évidemment, je ne tape que Dark Hunter, donc ça va me casser les couilles par contre. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un bon match-up, c'est possible ou pas? Hop. Ok, bon. Yes. Let's go, j'ai plus de push. Ah ouais, ça va être sympa là la vidéo, moi je vous le dis. Bon, deuxième autre counter, c'est pas... En vrai c'est là, on peut faire quelque chose par contre. PK Bridge Spam, il y a toujours moyen de gagner. Hein. Golem sur un gros push, full spam, il y a moyen de passer. Bon, allez, on cycle un petit prince dans le fond du terrain, on va voir si c'est pas une voleuse peut-être pour défendre. Fantôme, d'accord. On va s'en mettre une voleuse, je pense. Ok, Manu Wiz en plus, donc là, bah, merde, putain, mais quel bouffon, c'est pas possible. Ok, là il cava, bon ça c'est bien joué de sa part. Bon, on va mettre des drones squelettes, on a que ça pour défendre. Et là on va pouvoir partir au golem. Petit let go là. Ah, moi je vous dis, ah la manie, ça c'est relou ça par contre. Bon, au moins il a plus de manie pour la défense, pour l'attaque. Ça c'est ça que je vois le bon côté, c'est que là on va assumer les dommages. Avec le golem c'est très important d'assumer les dommages, hein, vraiment, n'ayez pas peur de prendre des dommages. Là il a plus de manie et j'ai pouvoir juste full spam les bats. Donc là on a un bon gros golem là, je vais dire pas first play, parce que du coup ça fait déjà une demi-minute qu'on joue. Alors là j'ai pas mis de sensation du maintenant, je vais attendre un petit peu pour que les bats puissent spawn en fait, ça puisse être chiant. Voilà, nickel. Genre maintenant par exemple, ça les bats ça tombe bien spawn. Hop. Ok, on va les mettre un bombardier en plus, on va les mettre des bats en plus. Ok, il a plus de boule de feu, il y a encore des bats sur le terrain, ça peut être sympa là. Là on a peut-être un petit début de quelque chose. Voilà, les Pokémon qui meurent. Là on a une bonne foot, on va aller la prendre. Mais on a que la même idée, c'est pas grave. Ça marche. Ok, là on a le prince ici. Hop, normalement. Bon, ouais, ça tue le chevalier, parfait. Là on est plutôt Gucci, j'avoue. Elle va partir en golem, hein, je vous avoue. Attendez, non, on va se calmer. Ah ouais, le problème c'est que j'ai peur qu'il parte Pokémon au pont là. Attendez. On va attendre. Le problème c'est que j'ai rien pour Izet avec son Kava, c'est trop chiant. Ok, hop, golem au pont.
Tant que Bobard qui va faire son taf derrière, donc ça, ça va, c'est pas trop grave. Hop, on va mettre un petit prince. On va aller, je pense, attendre un petit peu. Ah, mais il a plus de boule de feu là, il va me la cycler, il a cyclé ses boules de feu. Ah là, ça va faire très très mal le push. Le bomber plus cet avancé qui splash. Et voilà, quand je vous disais qu'il y avait toujours moyen de gagner un PK plus spam, c'était pas une blague, il y a toujours moyen de gagner un PK plus spam. Et on va les terminer, et c'est une très belle, un très bel push au foot, mais malheureusement ça ne passera pas. Donc GG, well played, on aurait gagné ce petit PK, donc vous voyez que vraiment le PK, compliqué à gagner si le mec joue bien, mais. Mais tout est possible, hein. Vraiment tout est possible. Il y avait comme un Bajaz D, donc il était pas dégueulasse. Ça fait plaisir. Allez, on part sur cette troisième game contre Indelfridge. Ok, bon là on a vraiment une main qui éclatait sa mère. Bon, on va cycler le bomber. Ok, bon là lui. Ouais, lui il en a rien à branler, lui c'est pas son souci lui. Ah, je suis revenu au pont first play, let's go, c'est plaisir. Encore pire qu'une golem first play. Je sais pas si j'étais golem au pont là. Ah ouais, 2 PK. Ah ouais, c'est sympa là. Ah ouais, j'avais vu, elle a sorti une boule de feu là. Ok, ça va, il a un poison. Allez là, gros, t'as plus de PK là. Oh là 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 là. Moi je vous le dis, les gars là. Ouh, ça m'a fait mal. Là, je peux perdre ma tour de gauche. Je m'en bats les couilles. Genre vraiment, là, je m'en branle. Vas-y, prends ma tour de gauche si t'as envie. Bon bah il a pas envie apparemment de prendre ma tour de gauche, c'est pas grave, j'ai pas à en plaindre. Allez c'est parti, le spam d'une life. Alors on va mettre le... Ah il a plus de poison, plus de PK. Oh là 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 là. On attend un petit peu qu'il sorte son Iwis pour te mettre les bases. Voilà, typiquement maintenant. Là il a peut-être son zap encore, mais là les bases elles vont spawn, elles vont spawn en masse là. Oh il a pas zap, il a une biche. Oh la masterclass. Ah bah là frérot, good luck hein. Ah, on va être un deuxième PK là. Ah, ça fait plaisir. Hein. En tant que joueur golem, un joueur golem qui bat un PK, ça fait plaisir. Hein. C'est pas un bon match-up. Hein. Moi, croyez-moi, moi qui joue un PK, ah, quand je croise des golems, ça fait plaisir. Hein. Pour ça que là, on croise pas les adversaires qui sont extrêmement forts, donc ça va. Mais du coup, je pense que là, on va partir en golem, on va juste défendre. Normalement, on a la capacité pour défendre. Enfin, j'ai la capacité pour défendre normalement. C'est ce que je conseille de faire. Je vous ai pris une tour. Prenez pas le risque de partir en push golem, sur un golem c'est cher et voilà c'est chiant. Là si rajoute quelque chose on va mettre la foudre. Si rajoute rien, on met un bomber. Si rajoute quelque chose je mets quand même une foudre. Ok, 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 là on va vite cycler le prince. Hop, on sait qu'il a son roi. Enfin son chevalier d'or là. Voilà je sais pas ce qu'il fait hein. Bon. Ah là ça fait péter une petite huile là. Voilà, on peut partir en golem par contre, pour le coup. Hop. Là ça va le mettre dans la sauce hein, parce que là il va devoir défendre. Sauf que moi je vais continuer à spam. Hop. Voilà, regardez les dégâts qu'on va mettre. Là j'ai un peu enchaîné des drones squelettes dans le poison mais c'est pas très grave. On met de gros dommages hein, encore regardez. Là 700 HP, il nous a quasiment pas touché notre tour. Donc c'est plutôt clean dans la position de notre défense. Et tout de suite, on va tout simplement aller prendre cette game contre le deuxième PK de cette vidéo. Donc on espère pas trouver un PK encore ou même un Molosse. Un Molosse, ça serait bien cher avec le deck qu'on a. On a rien pour le Molosse. Enfin, on a Bats et Zeron Squelette, mais si mec il a boule de feu zap, j'ai pas vomito les gars. Ton deck de Molosse, en général, c'est soit boule de feu flèche, soit boule de feu zap. Bon, je vais pas vomito les gars, voilà quoi. Bon, après, on est sur mec à 5-4-3, donc c'est normal qu'on le win. Sinon, bah, j'aurais pu arrêter le jeu, hein. Et on va partir sur cette dernière game, hein. De toute façon ça se passe très très bien pour l'instant. Contre Donald Trump, tiens tiens tiens. Bah après c'est le même cul que Donald Trump, normalement c'est free win. Ouais, bah apparemment oui. Ok, ok, ok. Ouais, bah on va se calmer quand même parce qu'il a quand même mis 5. Ouais, j'allais partir en golem en mode il a mis 10, 19 de dex là. Elle va défendre comment ça? Collie, reine, fantôme? Ouais, fantôme, ça marche aussi. Elle aimait des dragons squelettes en plus pour aller tuer ce fantôme. Ou pas. Est-ce que je sais faire le placement? Non. Ah, dur. J'ai raté mon placement, j'étais un tout petit peu trop late. Normalement, on peut activer la tour du roi sans que le fantôme leur touche la tour. Ok, allez, c'est parti. Petit golem, on a le bomber en cas où il part. Oula, oula. Ah, ça c'était pas prévu. Là, c'est une shit, boule de feu, les gars. Je vais pas vomito, j'ai dans la merde. Hein.
Bon, mettre des bats de saupon dès qu'elle a recruté le poste, voilà, exactement, bats de saupon, que ça déjà ça va renforcer l'élixir. Bon, on a le bomber, ce qui rajoute. Le bomber qui a fait une grosse value, là, on va aller protéger ce bomber, évidemment, hop. Voilà, exactement ce que je voulais. On protège bien le bomber comme il faut. Et là, on va pouvoir, en vrai, attendez, est-ce que... Attendez, les gars, est-ce qu'on pourrait pas mettre une petite pression comme ça, là? Hop. Et là, on aura la tornade pour aller défendre. Voilà, il dit bien joué parce qu'il sait que là il va perdre sa tour et il va prendre très très cher sur sa tour de droite. Et là on va tout simplement aller activer la tour du roi avec le fantôme royal. Comme ça. Voilà, comme ça, c'est ça le placement. Et là on a la petite foudre. Oh là là, oh le massacre. Hop, petite foudre pour la reine. Et s'il met des cochons, on a le bomber. Voilà, exactement. On a le bomber, on a la tour du roi, donc ça c'est pas trop dramatique. Même si on ajoute un mineur, c'est pas très grave. Ça, le bomber va faire encore une fois une grosse value. Et regardez-moi ça. Après, on va 7 tours à tour, mais on a un gros avantage sur cette tour. Et là, on a sûrement l'avantage en élixir aussi, je pense. Et en plus, on a mis de gros dégâts sur ce tour du roi. Donc là, on va partir tout simplement en golem, puisqu'il sait qu'on a... Enfin, je sais qu'il a plus de cochon. Et du coup, il pourra pas mettre de pression. Donc ça, c'est clean. Par contre, il a très vite recycle, ça m'arrange pas. Il a pas l'air d'avoir de sort, par contre, donc ça m'arrange. Je pense que je vais faire, c'est que je vais foutre, parce que la reine va faire trop de value sinon. Alors j'aurais pu prendre la Tesla avec. Un peu fait le coup, mais c'est pas grave. Ok, là il va pouvoir évidemment défendre quand même pour éviter de prendre un pawn. Hop, voilà, exactement, on fait ça pour pas perdre le bomber. Parce que là si je perds le bomber, c'était lose, hein, je vous annonce. Mais là on va tout simplement aller prendre ces 3 couronnes. Parce que là je juste full spam tout comme un bouffon. Et voilà les gars, on aura fait quand même presque full win, on aura juste tapé un gros joueur, on n'a pas eu de chance hein, de se faire un mec aussi fort dès le départ, mais voilà. Bon les gars, ça va être la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Ouais, pas mal, hein. Voilà, merci. Les mecs, ça avait quand même un minimum joué. Il avait un deck bizarre, mais voilà, on a juste perdu contre ce mec qui était vraiment trop fort. Bon, je l'ai rage-kit parce que j'avais la flemme de la jouer. Et voilà, il a 100 SD, il a 3 badges de ladder. Il a un badge TM, il a 2 fois la victoire, bon. Voilà. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à me dire quel deck vous voulez jouer la prochaine fois. C'était pour le coup, ciao.